C'est bien vous qui avez reçu la menace de chantage concernant la réunion secrète de la semaine dernière. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il voulait exactement? 3 millions de dollars, sinon il communiquait les conclusions de notre réunion du 18 à tous les membres du pacte de Varsovie. Eh bien, c'est fait. Man hätte zahlen sollen. Interer ist es leicht zu sagen. Dann hätten die Sicherheitsmaßnahmen verdoppelt oder verdreifacht werden müssen. Das haben wir auch getan. Aber offensichtlich doch nicht ausreichend. Resultat? Eines unserer wichtigsten Militärgeheimnisse ist den Alliierten übermittelt worden. Einfach unerhört! Es gibt einen Verräter in unserem Generalstab, der muss entlarvt werden. Président Courtney Gabor vous attend tout de suite. Bonjour, mademoiselle Anderson. Bonjour, monsieur. Bonjour, Thomas. Vous connaissez le commissaire principal Sully de la Sûreté nationale. Bien sûr. Ah, je vous présente le professeur Dan Ridgate, éminent spécialiste des questions électroniques. Enchanté. Enchanté, professeur. Bon, tout est prêt, on nous attend. Bon, eh bien, allons-y tout de suite. Déjà enfin, allons-y, les enfants, nous prenons une seconde à perdre. Suivons Chalier. Serait-il indiscret de vous demander où nous allons? Très indiscret. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Merci. Venez, oui,
Mitterrand, gouverner au 180. En route au 180. Alerte. Bâtiment isolé, tout contact télécommunication coupé, me tient en permanence à votre disposition. Merci, commandant. Vous demandez sans doute pourquoi un tel luxe de précaution. Eh bien, vous allez comprendre. Depuis le 1er janvier, de graves incidents se sont produits au niveau le plus élevé des gouvernements et des instances internationales. Par 4 fois, en moins d'un mois, à Rome, à Bonn, à Bruxelles et à Londres, des délibérations tenues secrètes ont été divulguées de façon absolument inexplicable. Dans les 4 cas, il y a eu préalablement une tentative de chantage que les gouvernements et organismes concernés n'ont pas pris au sérieux. Or, tout nous amène à penser qu'un groupe de pression est entré en possession d'une arme terrifiante, l'émetteur-récepteur absolu en matière de télécommunication. Si cela était confirmé, il n'y aurait plus de secret scientifique, politique, industriel, à la surface du monde. Tout geste serait surpris, toute parole captée, toute communication interceptée. Dans un monde qui repose sur la rapidité de l'information, vous voyez quelle puissance cela représente pour le groupe d'hommes qui détient cette arme. Oui, mais je croyais que toutes les hypothèses sur les hyperfréquences avaient mené à un cul-de-sac. À mon avis, il ne s'agit pas d'hyperfréquences, mais d'ultra-ultrasons, récemment baptisés ultrasons U. Leur longueur d'onde est si petite qu'ils réagissent avec les électrons de la matière. Une des conséquences de ce phénomène est qu'ils sont arrêtés par un liquide et qu'en se réfléchissant, ils emportent avec eux les vibrations produites dans ce liquide. Or, le corps humain est un liquide. Et les ultra-ultrasons traversant les solides de ciment, plomb, etc., chaque être humain pourrait être capté, image et son, si l'on possédait un émetteur-récepteur d'ultra-ultrasons suffisamment perfectionné. Mais c'est pourquoi nous sommes dans un sous-marin. L'eau qui nous entoure fait écran. Ah, mais M. Redgett vient de dire que l'eau réagissait. Bien sûr. Quand on photographie 2 personnes, l'une étant devant l'autre, c'est évidemment le portrait de la personne qui est devant que l'on obtient, et non pas celui de la personne qui est derrière. Et comme ça, je comprends mieux. Vous avez une idée pour orienter les recherches? Non. Pas le moindre point de repère. Aucun. C'est pourquoi le BIPS vous charge tous les deux de cette affaire. Enfin, ça y est, j'ai le feu vert.
Il fallait trouver un terrain sur lequel nous puissions être sûrs de rencontrer nos adversaires. Nous l'avons. Quel terrain? La conférence des sept puissances qui doit s'ouvrir la semaine prochaine à Neuilly. Effectivement, pour nos passe-murailles, c'est une occasion magnifique de se manifester. Vous n'y pensez pas? L'enjeu de cette conférence est... Et capital? Sa réussite exige le secret absolu. Mais nous sommes d'accord, Chalier. Ah ben alors, je comprends pas. Vous allez comprendre. Il va comprendre, hein? Mais oui, oui, oui. Alors. Cette conférence ne réunit aucun homme politique célèbre, mais seulement des experts, des techniciens, donc parfaitement inconnus du grand public. Soit, et bien. J'ai obtenu que les experts qui doivent se réunir à Neuilly ne soient pas les vrais, mais des doublures, et que toutes leurs discussions soient basées sur des prémices fausses, mais difficiles à vérifier avant un certain temps. Ce qui veut dire que nos adversaires, s'ils se manifestent, n'obtiendront que des renseignements inutilisables. Voilà. Hein? Mmh. Et alors la conférence, on la saborde. Mais non. Gripper la machine des consultations internationales, c'est déjà un joli résultat pour des maîtres chanteurs. Mais voyons, Chalier, qui vous parle de ça? La vraie conférence avec les vrais experts aura lieu quand même, au même moment, mais à l'autre bout de Paris et sans publicité. Hein? Évidemment, ça manque un peu de panache. Seulement contre un adversaire qui voit tout, qui entend tout et qui sait tout. On n'a pas le choix des armes. Souhaitons seulement qu'ils mordent à l'hameçon. Mmh. C'est notre seule façon de les attraper. Chalier, plus que 10 minutes. Attention à tous. Dernier check-up de contrôle des installations de protection et de détection. Contrôle dégagement. Rien à signaler. Contrôle couloir, rien à signaler. Ici la salle de conférence. Tout est paré. Ici colonel Pommant. Dispositif en place en tournant les lieux. Seules les voitures officielles pourront passer. D'accord, merci. Il commence à arriver. Ici détecteur numéro 3. Émission ultrasons repérée par 310 degrés, ouest-nord-ouest. Voiture numéro 12, à mon signal. Mantes-la-Jolie par la défense. Mantes-la-Jolie par la défense. Demandez renfort dès que vous aurez trouvé la source d'émission. Allez-y. D'accord, on y va. C'est bon. Stop. On va continuer alors. Maintenant à droite, on va aller à droite. On va essayer de les avoir. Il a une bonne idée de temps en temps, le révérend Courtenay. Il avait raison, il s'agit bien d'ultrasons U. Vous aussi, vous aviez raison, Thomas. Ils sont bien tombés dans le jeu. À gauche, on va aller à gauche, à gauche, à gauche.
À gauche. France. Gauche toujours. Oh, les a perdus. Ici voiture numéro 12. Avons perdu contact avec émission. Ici détecteur numéro 7. Émission ultrason, repéré par 23 degrés nord-nord-est. Ils ont plusieurs sources d'émission. Voiture 15, à mon signal. Senlis. Direction Senlis. Allez-y. Voiture numéro 12. Voiture numéro 12, continuez les recherches dans le même secteur. Merci. Allô, PC. Ici voiture numéro 15. Contact perdu. Ici détecteur numéro 4. Émission ultrason repérée par 170 degrés sud-sud-est. Voiture numéro 8, à mon signal. Fontainebleau. Direction Fontainebleau, allez-y. Ah, j'ai l'impression que nous perdons notre temps. Ou bien ils ont 7 points d'émission fixes, ou bien ils ont au moins 2 points d'émission mobile. Pendant que l'un émet, l'autre se déplace. Monsieur Thomas et le commissaire Chalier sont attendus dans la salle de conférence. Il faudrait dès maintenant prévoir une action psychologique afin d'éviter les réactions de l'opinion publique mondiale. La préparation de cette escalade d'un genre particulier nécessiterait combien de temps? À mon avis, un mois, limite courte. 3 mois, limite longue. Mais il vaudrait mieux étudier la question de plus près. Dans ce cas, messieurs, je propose de suspendre la séance afin de permettre à chacun de nous d'examiner le problème à fond et éventuellement d'en référer à son gouvernement. Ici le président de l'AMIS, Agence mondiale d'information spécialisée. Il est inutile de chercher comment ce film a été pris. Sachez seulement que nous avons le moyen de tout voir, de tout entendre et de tout enregistrer. Sachez aussi que certains gouvernements prévenus de l'existence de ce film sont très désireux de l'acquérir. Nous vous ferons bientôt savoir à quelles conditions vous pouvez éviter qu'il leur soit communiqué. Merci. Lumière, s'il vous plaît. C'est vraiment le film exact de la conférence. Exact. Et pour une conférence ultra secrète, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Vous m'excusez. Allô, oui. C'est pour vous, le président de l'AMIS. J'écoute. Vous avez raison, monsieur Thomas. Pour une conférence ultra secrète, ce n'est pas très réussi. Mais je pense que cela doit vous inciter à prendre nos propositions au sérieux. Quelles sont vos propositions? 5 millions de dollars par État participant à la conférence. Soit, cette fois 5, 35 millions de dollars. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que notre conversation soit enregistrée sur magnétophone. Pourquoi votre collaborateur se cache-t-il? Moi? Oui, vous, l'homme aux lunettes. Rien ne m'échappe, vous savez.
Par exemple, je peux vous dire que je trouve la robe de Mademoiselle Anderson très jolie. Et de quelle couleur est-elle? Bonne question, mademoiselle, mais vous me faites beaucoup d'honneur. Notre procédé n'est pas encore en couleur. Il le sera bientôt, j'espère. En revanche, je peux vous dire que vous avez un décolleté en V et une jupe très mini qui met en valeur vos jambes ravissantes. Bon, finissons-en. Comment voulez-vous régler cette affaire? Réunissez la somme demandée. Mettez-la dans une valise. Prenez votre voiture et engagez-vous à 13 heures précises sur l'autoroute de l'Ouest, direction Rouen. Ensuite? Vous serez doublé à un moment du parcours par une voiture qui allumera son phare de recul. Suivez-la. Inutile de sortir, commissaire. Tout ce que vous pourriez faire pour tenter de nous intercepter serait immédiatement détecté par nos appareils. Si vous ne jouez pas franc jeu, nous rompons les négociations et nous traitons ailleurs. Bien. C'est le dernier avertissement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Obéir? Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, venez, on va en parler. Je me résume. Nous avons raté ce matin parce que nous ignorions une chose essentielle. Ils sont mobiles. Si j'arrive à les convaincre d'émettre cet après-midi, soi-disant pour intercepter une nouvelle séance de la conférence... On suppose que l'autre. Évidemment. La vraie, heureusement, n'est pas découverte. Alors, cette fois, nous avons une chance de les attraper. Votre proposition n'est pas mauvaise. Et puis, il n'y a pas tellement de risques. Non, sauf pour moi. Mademoiselle Anderson vous accompagne? Non, elle est occupée. Pendant ce temps-là, je fais une enquête sur les ovonies. Qu'est-ce que c'est, les ovonies? Les ovoniques sont des transistors à base de verre, utilisées principalement dans la fabrication de télévisions minces comme une feuille de papier et grandes comme un mur. Mais, et c'est là où c'est intéressant, ils sont également une des étapes fondamentales des expériences sur les ultrasons U. Et comme en France, il n'y a que 3 usines qui utilisent les ovoniques, ça vaut la peine que vous allez voir, non? Au fond, pourquoi nous mêler de tout ça? Les ultrasons U, c'est peut-être une solution élégante. Une solution à quoi? Aux combines politiques, aux diplomaties secrètes, aux mensonges réfléchis, aux arrière-pensées tordues. Avec les ultrasons U, plus de bluff, atomique ou pas, et qui sait, peut-être plus de guerre, puisque tout le monde pourra tout savoir sur tout le monde. Tout le mal du monde vient de ce que les purs déterrent les secrets et les exposent au grand soleil. Belle phrase, elle est de vous. Giraudoux, mais j'en connais une autre, de Pascal. Si chacun savait ce que chacun dit de chacun, il n'y aurait pas 4 amis au monde. Bravo. Vous voyez bien, Yann, un peu de mensonge, ça aide.
bien, monsieur Thomas. Eh bien, j'ai pris la valise, la voiture, l'autoroute. Bref, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Merci. Vous jouez à un jeu dangereux, monsieur Thomas. Pouvez-vous vous expliquer? Comment expliquer le scepticisme sinon par l'ignorance? Il est rare que nos hommes d'État soient des hommes scientifiques. Comme ils ne comprennent rien aux bases théoriques de votre invention, ils la nient. Après toutes les preuves que je leur ai données. Vous savez ce qu'ils m'ont dit quand je leur ai demandé l'argent? Mise en scène, tour de passe-passe, manœuvre psychologique, intoxication, etc. On vous prend pour des espions particulièrement adroits qui utilisent des procédés classiques tout en les camouflant derrière un compte à dormir debout. Vraiment? Oui, ils n'y croient pas. La preuve, la conférence continue cet après-midi. Le dispositif de sécurité sera tellement renforcé qu'aucun procédé classique ne pourrait donner de résultat. Évidemment, si malgré cela vous arrivez à communiquer au Quai d'Orsay le compte-rendu de la conférence, ils seront bien obligés de se rendre à l'évidence et de payer. On va faire ce qu'il faut pour ça. Mais si c'est un piège, et si vous imaginez pouvoir nous attraper à l'heure de cette deuxième conférence, vous trompez grossièrement. Paul. Excusez-nous de ne pas vous accompagner jusqu'à votre voiture. Une question encore, monsieur Thomas. En venant les mains vides, vous avez pris de gros risques. Quel est votre intérêt dans tout cela? Je suis le seul à croire à l'existence de votre passe-muraille. Aux yeux des esprits forts, je passe pour un imbécile et j'ai horreur de ça. C'est votre seule raison? Non, bien sûr. Si mes clients continuent à ne pas vous croire, vous irez vendre ailleurs. Et ça, j'aime autant l'éviter. Le BIPS a beaucoup de chance de vous avoir. Dites-le à mon patron. Il finira peut-être par me la donner, cette augmentation. En route. Très bien ce que votre journal désire savoir. Notre série d'articles s'intitule « L'audiovisuel dans le monde de demain ». Un vaste programme. Oui. Mais j'ai déjà pas mal de renseignements par d'autres laboratoires. Ce qui me manque, ce sont des tuyaux sur l'utilisation des ovoniques dans la recherche sur les ultra-ultrasons. Le professeur Charles Ducrot, c'est lui que vous auriez dû voir. C'était notre plus grand spécialiste dans cette matière. C'était? Oui, crise cardiaque il y a 6 mois, la veille de Noël. Et pourquoi ne verriez-vous pas son assistant, Jean Lacaze? Lacaze? Il est ici? Non, il ne vient plus. Alors, où est-ce que je peux le trouver? Il habite toujours chez le professeur Ducrot. Allez donc voir au bureau, on vous donnera son adresse. Très bonne idée. Merci. Au revoir. Au revoir.
une propriété privée ici, mademoiselle. Oui, je sais. Vous êtes bien monsieur Lacaze, l'ancien assistant du professeur Ducrot. Oui. C'est chez Futur Électronique qu'on m'a donné votre adresse. Vous savez, vous pouvez me sauver la vie. Je suis journaliste et mon journal m'a demandé de faire un papier sur les ovoniques. Ah. Et comme je n'y comprends pas grand-chose, j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider à ne pas écrire trop de bêtises. Ça, c'est très facile. Vraiment? Tenez, voilà un petit ouvrage que mon patron avait écrit sur ce sujet. Ah, merci. J'espère que ce n'est pas trop technique. Ah. Bah, tant pis, je broderai. Non, ne vous servez que du premier et du dernier chapitre. La théorie fondamentale et les possibilités d'application. D'accord. Quel genre d'homme était le professeur Ducrot? Un homme très bon, très intelligent, très lucide pour tout ce qui concerne la science. Et c'est ici qu'il travaillait? Et là, qu'est-ce que c'est? Non, ne regardez pas. Tout est en désordre, j'achève de classer les archives. Et après, vous partez en vacances? En vacances, pourquoi? Mais la caravane? Elle était des amis. Le parc est grand, il leur sert de garage. Il me reste à vous remercier. Pas encore? Pourquoi? Il faudra bien qu'on se revoie pour que je corrige votre article. D'accord, je vous téléphonerai. Promis? Promis. Salut. Qu'est-ce que c'est la fille qui sort d'ici? Une journaliste. Elle voulait des tuyaux sur les travaux de Ducrot. Regarde là ta journaliste. Crétin! Rattrapez-la! Allez, arrête-toi! Vous avez précédé tout à l'heure. Non, vous précédez. Je vous en supplie, dépêchez-vous.
Yann, le matériel est dans deux voitures de camping. Une blanche, une grise. Je suis terriblement pressée, mademoiselle. Je dois absolument parler à Monsieur Thomas. Vous ici? Allô? Barbara? Barbara? Vous pouvez repérer d'où vient l'appel? Ça dépend si c'est l'automatique, non? Il faut essayer, Barbara, des ennuis. Basculez-moi à la table d'écoute. La table d'écoute. Deux caravanes de camping, une blanche et une grise. Essayez de repérer la provenance de l'appel qu'on vient de recevoir sur le poste 88. Le centre des hélicos est ici, les Moulineaux d'urgence. Détecteur numéro 3. Pareil. Détecteur numéro 5. Pareil. Détecteur numéro 14. Pareil. Détecteur numéro 7. Pareil. Voiture numéro 12. Savez-vous ce que c'est qu'un otage, mademoiselle Anderson? Anderson. Si vous voulez. Savez-vous ce que c'est qu'un otage? Oui, c'est quelqu'un qu'on fusille quand on va perdre la guerre et qu'on est mauvais joueur. Oui. On peut aussi ne pas le fusiller, s'en servir pour essayer d'obtenir quelque chose. Malheureusement, dans votre cas, je ne vois pas très bien à quoi vous pourriez me servir. Lisez-vous l'anglais, mademoiselle? Shakespeare, quand j'ai du vague à l'âme. Je ne peux vous offrir que le Herald Tribune de ce matin, édition de Paris. Avec une photo en première page de cette légende. Son Excellence l'ambassadeur des États-Unis s'est longuement entretenu hier soir avec John C. Brown, expert américain des questions pétrolières, à la conférence des sept gouvernements. Vous connaissez cet homme? Pardon. Oui, oui, bien sûr. Où l'avez-vous rencontré? Dans les couloirs de la conférence. J'ai enregistré toute la conférence de ce matin. J'ai visionné toutes les bandes. Je n'ai pas aperçu ce monsieur John C. Brown. Conclusion? Le typographe s'est trompé de légende? Oui. Ou monsieur Thomas a essayé de nous avoir. Paul! Préviens toutes les caravanes de stopper les émissions. Qu'elles se planquent. Et attends mes ordres. La conférence de Neuilly, c'est un piège. C'est une fausse conférence, n'est-ce pas? La vraie, avec les vrais experts, comme M. Brown, par exemple, a lieu ailleurs. Raisonnement subtil, mais pas évident. Finalement, vous allez peut-être me servir à quelque chose. Où se trouve la vraie conférence? Je ne connais que celle de Neuilly. Où se trouve la vraie conférence? Vas-y, cogne-la! Mais vas-y, cogne-la, imbécile! Tiens-la, moi. Patron, ils veulent vous le parler, les caravanes. C'est urgent. J'y vais, mais je reviens. T'as intérêt à l'attraper. Vous devriez lui dire où elle est, cette conférence. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Il va vous battre jusqu'à ce que vous parliez. Maintenant que vous me tiendrez, hein? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? M'aider à sortir. Non, non. J'ai encore un peu de goût pour la vie.
Vous avez exploré Matignon, Ultrason? Oui, toutes les salles. Et Chaillot? Aussi. Nous avons exploré tous les grands hôtels. Négatif. Bon, étant donné que la fausse conférence se tient à Neuilly, la vraie doit se trouver à l'extérieur de Paris. Passez au crible toute la région parisienne. C'est le professeur Ducrot qui a inventé votre passe-muraille. Oui. Il y a travaillé pendant 20 ans. Je l'ai aidé. Et le professeur s'est associé avec ces gens-là? Associé? Non. Le président lui a fait croire qu'il appartenait à une association internationale de non-violence. Il a réussi à le convaincre que son invention pourrait obliger les gouvernements à orienter leur politique vers la paix. Il ne s'est jamais rendu compte à qui il avait affaire? Si. Mais il était trop tard. Les appareils étaient construits. Et alors, il a quand même essayé de se dégager. Ils ont eu peur qu'il ne parle. Et il a eu un fâcheux accident cardiaque. La maladie fait quelquefois bien les choses, surtout quand on l'aide un peu. Et vous avez laissé faire ça. Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai rien laissé faire du tout. Qu'est-ce que vous racontez? D'ailleurs, tout ça ne vous regarde pas. Ça y est, patron. On les tient. Ils sont au château du Ménil-Saint-Denis. Très bien. Vous êtes en batterie tous les deux? Affirmatif. Affirmatif. Parfait. Je vous rejoins. Bien, Paul. C'est incroyable, la conférence a commencé depuis une demi-heure. À tous les détecteurs, toujours rien? Négatif. 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 On lance l'hélico? Pas avant de les avoir repérés. Mais qu'est-ce qu'ils font, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils devaient enregistrer cette séance, ils me l'ont dit. Ouais, ce que disent ces gens-là. Ils ont peut-être découvert la vraie conférence. C'était pas possible, comment voulez-vous? S'ils ont fait parler Barbara. Hélico, ici PC, j'appelle Buffalo Xavier 35. Ici Buffalo Xavier 35, j'écoute. Recherche immédiate des deux caravanes dans la région du Ménil-Saint-Denis. Terrain de camping. De nombreuses caravanes, des grises et des blanches. Voulez-vous ma position? Nous avons votre position, nous sommes presque au-dessus de vous, merci. Caravane grise dissimulée près du château du Ménil-Saint-Denis. Elle s'enfuit. Ne la perdez pas. On verrouille le secteur. Occupez-vous de lui!
se passe que vous avez perdu, monsieur le président de la MIS. Nous tenons une de vos caravanes et nous n'allons pas tarder à avoir l'autre. Certainement pas, monsieur Thomas. Car je suis dans cette deuxième caravane et je n'y suis pas seul. J'ai à côté de moi la charmante mademoiselle Anderson. Elle va très bien, rassurez-vous. Mais si vous n'arrêtez pas instantanément toute poursuite, il se pourrait qu'elle aille beaucoup moins bien. Vous m'avez compris. Vous êtes d'accord ? D'accord, on vous laisse partir. À toutes les voitures. À toutes les voitures. Abandonnez poursuite de la deuxième caravane. Abandonnez poursuite de la deuxième caravane. Buffalo Xavier 35. Opération Mandarin terminée, deux fois. Je dis bien, opération Mandarin terminée, deux fois. Xavier 35, ici Buffalo Xavier 35. Commissaire Chalier, j'écoute. Buffalo Xavier 35, 46. 46. 48. 48. 36. 36. 78. 78. Terminé. Prenez la caravane et filez tout droit. Vite! Barbara n'est pas avec eux. Commissaire Chalier, à toutes les voitures. Commissaire Chalier, à toutes les voitures. Résiste, on se fera tous descendre. Oui, mais si on résiste, on gagne du temps. Et ça servira à quoi ? Nous vous entendons fort bien, Président. Et nous vous voyons tous. À vrai dire, vous êtes plutôt pâle. La caravane. Ils ont réussi à mettre les ultrasons en batterie. Ingénieux, Président. Les images sont d'une netteté parfaite. Mais vous devriez vous essuyer le front. Voilà tout ce qu'on fait. On est foutus. Mais tais-toi donc, imbécile ! Monsieur Lacaze a raison. Vous devriez vous rendre avant qu'il n'attaque. C'est une méthode qui permet d'analyser... Tant vous serez entre nos mains, ils n'oseront pas nous attaquer. ...du comportement. Grâce à vos appareils, aucun de vos gestes ne nous échappe. Et nous pouvons en déduire exactement ce que vous pensez. Votre morale est bas, Président.
médecin de Kemp, président. Je peux plus entendre sa voix. Je vais faire taire ce salaud. Si vous avez les bronches fragiles, autorisez tout de suite un drapeau blanc. Nous allons... Calme-toi, imbécile. J'ai un meilleur moyen d'en finir avec Monsieur Thomas. Piégé. Yann. La caravane était piégée. Et heureusement que les ultrasons sont tombés en panne, sinon on sautait avec. Il y aurait eu une belle plaque à la préfecture avec votre nom en lettres dorées. Oh, les salauds. La caravane blanche, vite! Venez avec moi. Non! Toi, tu commences à me fatiguer, hein? Né, patron! Non! Crétin. Barbara. Yann. Hein? Et vous n'êtes pas morte, vous? Si, et vous? Moi aussi. On vient de m'appeler du PC. Les délégués n'ont pas réussi à s'entendre. La conférence est ajournée. Eh ben, on est mort pour rien.